Décidé de présenter une liste participative aux dernières élections il y a 2 ans et demi, aux élections municipales. Et cette liste a remporté les élections. Donc aujourd'hui, on est une liste participative et collégiale qui gère les affaires de la commune. Je dis on parce que on, en fait, c'est le village, quoi. La liste est participative, donc nos idées peuvent remonter. Donc c'est nous qui sommes à la mairie finalement, c'est l'habitant. Alors nous, c'est les Saillançons, on est des habitants de Saillant, un petit village de 1250 habitants. On a décidé de participer, d'ouvrir la parole de tous, de donner à chacun la possibilité de parler et de savoir que sa parole est prise en compte. Pas forcément prise en compte de façon pratique, parce qu'on ne peut pas suivre la vie de tous, mais qu'on l'a écoutée, qu'on l'a prise en compte, qu'elle a servi à la base de discussion de ce qui s'est fait, que tout un chacun, chaque habitant a son importance et a son rôle à jouer dans la vie sociale de la commune. On ne fait pas des choses extraordinaires, révolutionnaires, mais on les fait différemment. Et la manière dont on fait les choses compte autant que ce qu'on fait. Le changement après 2 ans et demi, je dirais que c'est surtout la sensation que la chose politique n'est pas externe et qu'elle est en nous et qu'elle se joue au quotidien. C'est la sensation de pouvoir d'agir des habitants et le lien que ça a créé. Puisqu'on a eu plus d'une cinquantaine de réunions publiques, où on a eu des décisions qui ont été prises de manière plus collégiale, plus participative, où les gens essaient d'être à l'écoute les uns des autres, pas tout le monde, mais on essaie au maximum de faire tourner la parole, et ça crée du lien. Du lien entre tous les gens, entre toutes les générations, entre tous les milieux sociaux. Je crois qu'au sein de toutes ces instances, de ces commissions, de la préparation des élections, il y a eu vraiment un mélange social extrêmement intéressant, agréable, et on a appris à se connaître, et ça, je crois que c'est l'essentiel. On est en train de réviser le PLU, mais on va le faire différemment, et ça va encore créer du lien, ça va créer de la compréhension sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux urbanistiques, sur les enjeux de qu'est-ce qu'on fait pousser à Saillant, qui le consomme, où, et tout ça, c'est la politique que les gens se réapproprient. Et ça, c'est assez fort. Il y a des petits moments d'intelligence collective qui sont surprenants. C'est-à-dire quand on a une grand-mère et une personne qui vient d'arriver dans le village, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont autour de la même table et qui se mettent à discuter d'un sujet et qu'on se rend compte que la proposition initiale, elle a été bonifiée et que finalement, on repart avec une meilleure idée qui est plus appropriée et qui va être plus applicable ensuite, concrètement. On se dit que l'intelligence collective, qui est un terme que j'aime bien, mais qui peut paraître abstrait, elle se manifeste. Ça vient questionner mon scepticisme. Je suis quelqu'un d'assez sceptique, peut-être c'est mon côté un peu scientifique, et j'attends que les preuves soient faites par l'expérience, et je pense qu'on a réussi à faire ça. Quand je suis arrivé à Saillant, j'avais dit au maire de l'époque « T'as investi dans l'infrastructure physique du village, c'est bien. » Il avait fait plein de choses très utiles pour la commune, il avait bien géré l'infrastructure, mais t'as pas investi dans l'infrastructure sociale. Et c'est ça le lien, en fait. Et ça s'est fait ressentir aux élections, puisqu'il n'a pas été réélu, et que les gens ont décidé qu'ils voulaient quelque chose qui soit peut-être moins efficace que lui, qui était un très bon gestionnaire, mais qui prenait plus en compte la vie de chacun et qui crée la confiance, en fait. Avant les élections, en réfléchissant, on avait créé toute la logistique un peu de la nouvelle gouvernance, le conseil municipal. On pensait que c'était une instance un peu secondaire d'enregistrement, mais tout se passait en amont avec les comités de pilotage, qui est le conseil de tous les conseillers municipaux, pas simplement du maire et des adjoints, mais de tous les conseillers municipaux, avec une discussion ouverte au public, et puis les grandes commissions thématiques, les finances, la jeunesse, l'économie, les associations, les travaux, qui donnent lieu à des GAP, groupes action projet, où sont invités à participer les gens des commissions pour travailler sur des domaines beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pointus. Le conseil municipal est différent dans la mesure où la réunion de conseil municipal, elle est
comme les autres, on peut dire. C'est tout ce qu'il y a avant qui est différent, c'est-à-dire, je crois que c'est surtout les comités de pilotage qui reprennent les travaux préparés par les GAP, qui les mettent en commun, qui les discutent, les 15 conseillers, les 13 conseillers actifs ensemble, et avec participation du public, de tout le public qu'ils désirent. Alors le public, ça va de 8 à 20 personnes, ce n'est pas énorme pour une petite commune, mais c'est mieux qu'avant, où c'était quelquefois 0 à 3, et ils ont toujours droit à la parole, ils peuvent intervenir à tout moment, à la fin on leur redonne la parole systématiquement, et sur tous les sujets qui ont été débattus, et ouvrir à d'autres sujets s'ils le veulent. L'ordre du jour n'est pas restrictif. Et c'est en ça que ce comité de pilotage, je pense, c'est vraiment l'instance essentielle du travail dans la municipalité. On a inventé un conseil des sages pour être une instance de surveillance, de veille, de conseil, veiller à la transparence et à la participation, veiller au respect de la base du programme des élus. On est là derrière pour de temps en temps rappeler à certains conseillers municipaux là tu es vraiment pas très participatif dans ta démarche, essaye d'en être plus, ou là on n'est pas assez transparent, la communication n'a pas été faite à fond, et puis de rappeler également au conseil municipal sur tel choix, telle option, il faut faire une grande réunion, un souci de contact avec la population un petit peu, qui était au début un peu laissé de côté parce qu'on pensait que tout le monde était un peu au courant, mais on s'est rendu compte que tout le village, il y avait quelques-uns qui avaient voter pour ou voter contre sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Donc être au contact avec ces gens si possible pour répondre aux questions, sachant que les élus étaient quelquefois un peu très occupés dans leur domaine pratique. Et du coup, on était là un peu pour rappeler les principes et ce sur quoi le programme était basé. Un travail de veille, c'est-à-dire de participation aux différentes instances, conseil municipal, comité de pilotage, les GAP, les commissions, essayer d'être présent comme témoin, et souvent dans les GAP, présent comme animateur, puisqu'on s'est tous formés à l'animation. Ensuite, il y avait un rôle d'essaimage éventuellement, non pas de la bonne parole, mais de ce qu'on faisait, puisqu'il y avait des gens qui nous posaient des questions, donc les sages, on a souvent été appelés à droite, à gauche, à témoigner de ce qu'on faisait, donc à se poser des questions de comment on le faisait. Un souci donc de documentation qui a été plus ou moins bien fait. La mise en route du nouveau PLU, qui était une obligation légale, une nécessité pour Saillant, et ensuite il y a tout un critère de légalité à suivre. Les élus et les responsables de ce projet n'ont pas voulu appliquer strictement les normes obligatoires à minima, mais en faire vraiment une démarche participative. Du coup, pour rédiger le premier document, qui est un document qui doit donner les buts et les moyens que se donne le PLU pour arriver au bout, il y a donc une démarche d'anticipation qui doit définir les buts du PLU. Et pour cela, donc, la commune a mis en place des réunions publiques, et notamment 3 week-ends, plus 3 arpentages de texte, 3 gros week-ends, un autour d'une grande carte, donc vraiment la carte Google tirée en 20 mètres carrés à peu près, et sur laquelle nous avons travaillé par groupe d'une trentaine, chacun se mettant sur la carte pieds nus, montrant où il habitait, montant ses déplacements, éventuellement relevant les quartiers qu'il ne connaissait pas bien. Le lendemain, cette carte a été mise sur la place publique, sur un grand tréteau. Et donc là, on a eu les avis, les commentaires de 200, 300 personnes, c'était le jour de marché, qui se sont penchés, les uns pendant 2 minutes, les autres pendant une demi-heure ou une heure, et avec des porteurs de parole qui recopiaient les paroles sur des papiers exposés à tout le monde, ce qui était un début de discussion, de démarrage, de concertation. Et donc j'ai trouvé que c'était extrêmement motivant et positif, notamment au niveau du lien, mais également au niveau de la démarche. Les gens découvraient leur commune comme beaucoup ne l'avaient jamais vue. Il y a un deuxième atelier là, qui a accueilli également plus de 100 personnes, des balades découvertes par groupe d'une quinzaine de personnes sur différents quartiers, différents lieux qu'avaient repérés
les paysagistes de l'équipe responsable, en se posant des questions sur ce qu'on connaissait du quartier, ce qu'on en faisait chacun, comment on le voyait dans l'avenir. Voilà, donc ça permettait d'étayer avec des arguments sur le terrain, là une zone agricole, là une zone dans le rêve, parce que pour l'instant rien n'est fait sur le PLU, mais voilà, dans le ressenti. Et puis une troisième journée de travail, justement, papier-crayon, en réunion, sur le maintenant avec tout ça, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de ces terrains que vous avez vus sur la carte, que vous avez vus localement. Toujours avec 150 personnes à peu près, donc des journées entières passées sur ce travail. Et puis des arpentages de textes, une soirée d'arpentage de textes sur l'ancien PLU, sur les normes pour refaire un PLU à l'heure actuelle, et un autre sur les textes légaux, la loi Allure, la loi Grenelle, dont on doit tenir compte pour le... Et cette prise en compte en commun des textes également, d'abord c'est plus facile de lire un texte un peu rébarbatif, de le lire à 30, d'en lire chacun deux pages et se redistribuer, et c'est assez complet, assez intéressant. La participation s'entend également au niveau financier, c'est-à-dire que avant, le maire recevait une somme modeste, assaillante, mais quand même qui était relativement importante. Ses deux adjoints se partageaient une somme également, et puis c'était tout. Du fait que là, tous les élus ont une délégation, donc tous les conseillers municipaux, le maire, son revenu est extrêmement modéré, mais un peu plus important que les autres, parce qu'il passe quand même beaucoup de temps. La première adjointe et tous les conseillers touchent une somme modeste, mais touchent tous la même somme. Et au total, on touche moins que touchait la municipalité précédente. C'est une décision qui était prise avant de se faire élire, hein, qui était prise dans le projet municipal. L'année dernière, on a fait une grande enquête au niveau du Conseil des Sages sur le pouvoir d'agir des habitants. On est parti avec notre enquête qu'on a bâtie avec un sociologue. On a posé au milieu la question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans Saillant en dehors du conseil municipal? Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient émergé, la petite entraide qui est sortie de la commission sociale, mais qui maintenant fonctionne toute seule. L'abri du besoin, qui est un local dans lequel il y a des... On peut échanger des vêtements et qui s'autogère par quelques personnes. Il y a eu la création d'une ou deux associations qui, je crois, n'auraient peut-être pas vu le jour avant cela, qui ont été une émanation un peu de l'esprit qui règne et qui se sont créées tout à fait indépendamment du conseil municipal, mais qui traduisent un état d'esprit un peu différent. Ce qui est drôle, c'est avec quelle rapidité est-ce que les attentes changent. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, vous allez être... constamment consulté avant qu'il y ait une décision qui soit prise, mais les gens l'entendent, ils disent ok, très bien, et dès qu'on le fait pas, ils sont là pour vous le dire, et on est surpris de voir qu'il y aura toujours un habitant pour dire mettre le doigt, et là vous n'avez pas pris le temps de bien faire redescendre l'information, vous aviez l'information, où est la transparence? Ce qui manque pour l'instant, c'est de prouver que ce qu'on est en train de faire, qu'on est capable de réintroduire la pensée à long terme. C'est-à-dire que les cycles électoraux, qui sont tous les 5 ans ou tous les 6 ans, selon, évacuent le long terme, parce qu'on fait les choses pour la prochaine élection. Et on peut se dire qu'en étant une liste participative qui ne se projette pas du tout dans l'idée de se représenter dans 6 ans, qu'on va réussir à réintroduire de la pensée à long terme. Et qu'on va le faire ça avec les habitants qui sont concernés par l'avenir de leur village, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Mais ce n'est pas sûr du tout, en fait. C'est très compliqué de penser le long terme quand le quotidien est si prégnant. Ça, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour, mais qui n'a pas encore complètement vu le jour. Et peut-être on le fera à travers le PLU, le plan local d'urbanisme, en le revoyant tous ensemble. Les choses prennent du temps. Moi, la difficulté principale, je la vois au niveau du temps que ça demande. C'est une méthode certainement un petit peu exigeante, parce qu'effectivement, c'est plus facile de prendre un dossier, de le lire et de dire « je décide que » et hop, on passe au dossier suivant. Le fait de prendre l'avis des gens, de bâtir un dossier, de redemander l'avis, de discuter dessus, c'est effectivement un petit peu plus lourd, entre guillemets, mais je crois que c'est au bénéfice de tous et au bénéfice de la vie commune et du lien qui est créé. Pour une initiative comme ça,
y a un facteur qui est essentiel, c'est le facteur temps. Participer, la démocratie, ça prend du temps. Et on se plaint beaucoup de notre démocratie, mais on ne lui donne pas beaucoup de temps. Et si vous voulez que ça se fasse dans votre village, dans votre commune, dans votre quelque chose, il va falloir donner du temps. C'est un village ouvrier, surtout, au début du siècle dernier. Ensuite, donc, c'était les descendants de ces ouvriers, avec ensuite quelques-uns qui allaient travailler à Cré, à Valence, mais ça restait un village un petit peu fermé, et qui, depuis quelques années, s'était ouvert à une population plus jeune, des loyers pas trop chers, une recherche de vie un peu plus sympa, des néo-ruraux qui pouvaient prendre l'allure de « babacool » entre guillemets, puisque c'est l'accusation qu'on nous a fait après. Je crois que ça émanait donc de ce collectif qui avait été créé suite à un projet précédent de la mairie qui était la Supérette, qui voulait créer un centre commercial, mais un peu en dehors du village, et surtout au-delà de la déviation. Ce qui, quand la plupart des Saillançons l'ont appris, nous a particulièrement indisposés, parce que ce n'était pas très pratique, les personnes âgées ne pouvaient plus y aller, c'était dangereux, les enfants ne pouvaient pas y aller, et ça allait tuer les quelques commerces qui restaient dans le village. Du coup, là-dessus s'est créé un collectif qui a milité pendant plus d'un an contre cette supérette, avec des arguments, je crois, importants. Et la municipalité ne voulait rien entendre, le maire précédent. Et c'est finalement la chaîne commerciale qui a finalement retiré sa proposition, se rendant compte qu'ils allaient au-devant d'une opposition trop importante. À partir de cela, le collectif a continué à vivre en se disant comment améliorer la ville à Saillant, comment mieux vivre. Et quand on est arrivé à la période électorale, ils se sont dit, le maire est toujours le même, il gère bien les affaires quotidiennes, mais sa manière de gérer n'est peut-être pas celle qu'on souhaite. Est-ce qu'on serait partant pour faire une réunion publique, demander aux gens de se manifester? À la première réunion, il y a eu 150 personnes à peu près qui ont planché de 2h à 19h sur comment on vit au village aujourd'hui, comment on aimerait vivre. Et de ça est sorti un premier topo, et une deuxième réunion, et la troisième réunion, on a fait circuler un papier. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à intégrer une liste? Et là, sont sortis 21 noms sur lesquels on a sorti 15 noms à la fin du conseil municipal. Donc c'est vraiment une liste informelle au début, qui s'est auto-créée en quelque sorte pour aller plus loin. Dans 6 ans, est-ce que le conseil municipal se sera désintégré, comme c'est déjà arrivé à Saillant, il y a des maires qui ont démissionné, ou est-ce que on sera encore là, et est-ce que les élus pourront passer le flambeau à d'autres Saillançons qui diront à notre tour d'être les élus qui ont sens d'expérience, qui vont monter à nouveau en compétences? Je suis curieux de voir ça, ouais.